Salut les chevelus, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui nous allons parler du gommage capillaire ou principalement du cuir chevelu. Et je me disais il n'y a pas si longtemps que ça, finalement à quoi ça sert, à quoi ça peut bien servir, ça, je pensais pas que ça servirait à grand chose. Et au final il s'est avéré qu'après un test, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup aimé. Alors je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le gommage et en plus de ça vous donner des recettes. Alors moi je vais partir sur une recette à base de pépins de fraises que vous retrouvez un petit peu, c'est vraiment quelque chose de très fin, des grains assez fins, donc de couleur fraise évidemment, donc qui est un exfoliant très doux, que ce soit pour la peau ou pour le cuir chevelu. Donc bah, j'ai pris ça lors d'une précédente commande, donc c'est pour ça que je vais le tester. Et avec ça je vais mélanger de l'huile de cartame. Donc une huile de votre choix, bon moi je me suis décidée par rapport à celle de cartame pour son effet nourrissant. Sinon vous pouvez partir sur une recette beaucoup plus basique que vous retrouverez dans votre cuisine. Donc par exemple le sucre, tout simplement du sucre ou de la cassonade. Donc qui sont des grains et qui ont un pouvoir exfoliant. Donc le sucre est beaucoup plus doux. Je trouve par rapport à la cassonade, mais après c'est à vous de choisir, de voir un peu ce que vous voulez prendre. Avec, vous pouvez rajouter tout simplement de l'huile d'olive, il n'y a rien de plus simple, on en trouve également dans la cuisine, donc c'est vraiment un des plus basiques. Sinon si vous avez d'autres huiles, vous pouvez en utiliser d'autres bien évidemment, vous pouvez en faire un mélange, vous pouvez en utiliser 2-3 par exemple. Vous pouvez aussi rajouter du miel. Voilà, qui a un pouvoir hydratant et adoucissant sur les cheveux, donc qui peut compléter le pouvoir nourrissant de votre gommage. Et vous pouvez également rajouter un œuf, tout simplement. Donc moi, je vais partir sur une recette relativement basique qui se situe tout simplement sur un exfoliant et une huile. Et la prochaine fois, je rajouterai d'autres choses pour voir si je constate d'autres bienfaits sur mes cheveux, voir s'il y a du changement, si c'est mieux, si c'est moins bien. On verra bien. Donc je vous retrouve tout de suite pour la préparation de ce masque. Donc me revoici avec vous pour la préparation du gommage capillaire. Donc il vous suffit tout simplement de prendre une huile de votre choix, un exfoliant de votre choix, donc qui peut être également du sucre, une cuillère, un récipient. Après vous pouvez également vous armer de miel par exemple, de yaourt, d'aloe vera. Vous pouvez faire le mélange que vous voulez, il n'y a vraiment aucun souci. Donc pour l'odeur, on retrouve une odeur sucrée, légèrement sucrée par rapport aux graines. Donc on retrouve une texture assez légère. Donc je pense que pour le cuir chevelu, il ne faudra pas en mettre énormément. Donc je vais commencer avec 2 cuillères. Un peu bombées, comme ceci. Je pense que ce sera largement suffisant. Pour l'huile, je pense que je vais en mettre 4. Donc l'huile aura un effet nourrissant sur les racines et le gommage décollera les racines tout en enlevant les résidus. Donc voilà, on retrouve une texture comme celle-ci et je vais la mélanger. Donc comme je disais, après vous pouvez mélanger comme vous voulez, ça pose vraiment pas de problème. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles, une fragrance, une odeur que vous voulez. Donc comment je vais effectuer ce gommage? Je vais humidifier mes cheveux avec de l'eau tiède. Je vais les essorer légèrement dans la serviette. Je vais utiliser la texture en massant les racines tout doucement avec le bout des doigts. Tout simplement avec le bout des doigts, pas la peine de faire avec les ongles. Sinon ça va plus décaper votre cuir chevelu qu'autre chose. Donc pour celles qui ont le cuir chevelu sensible, allez-y quand même relativement doucement. Ou sinon si vous n'avez pas de soucis particuliers, une fois par mois c'est largement suffisant. Donc on se retrouve avec une texture comme ça. Il n'y en a pas énormément mais je pense que ça suffira largement pour toutes les racines. Et je reviens vers vous. Pour le résultat. Re les filles, donc me voilà pour le résultat. Donc ce qui s'est passé, c'est que
j'ai pas eu assez de gommage, ce qui fait que bah, en fait j'ai dû mouiller pas mal avec de l'eau tiède pour pouvoir le mettre un petit peu partout, surtout derrière parce que j'avais principalement fait devant. J'ai eu un petit peu de mal sur le coup à accéder aux racines, mais en forçant ça a été. Donc j'ai quand même réussi, mais pour un premier c'est plutôt bof bof. Sinon je pensais également, au lieu du sucre et de la cassonade, vous pouvez également utiliser du marc à café. Ça fonctionne également très très bien et en plus de ça donne brillance à vos cheveux. Alors sinon, ça s'est très bien passé. Par contre, j'ai effectué deux shampoings parce que c'était quand même relativement gras à cause de l'huile, parce que ben, j'ai mis quand même beaucoup d'huile. Mais donc le premier shampoing, j'ai fait un shampoing normal. Le deuxième, je l'ai quand même dilué pour éviter que ce soit trop agressif pour les cheveux. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout eu besoin d'après-shampoing parce que l'huile a fait office de démêlant sur les cheveux. Donc je trouve que déjà ça c'était pas mal du tout. C'était un très bon point, même si ça n'a rien à voir avec l'aspect du gommage. Donc vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé pour une première fois, franchement c'est super, j'ai quand même pas mal de volume. Bon, je constate pas plus que d'habitude, mais je pense qu'en le faisant une fois par mois, c'est largement suffisant. Sinon après ça peut être trop irritant pour les cheveux. Donc sinon pour les aspects du gommage, donc ça élimine les impuretés, débouche les pores, donc ça stimule le cuir chevelu, donc ce qui fait que vos repousses repoussent beaucoup mieux, beaucoup plus fortes, votre cuir chevelu est tonifié. Ça décroche les cheveux morts et en fin de vie. Donc, ce qui fait que si vous en perdez plus, il ne faut pas vous inquiéter. Tous les cheveux qui tombent sont des cheveux qui sont morts. Le gommage ne vous fait pas tomber les cheveux. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, je ne vous ai pas expliqué non plus. Après avoir tout appliqué, j'ai massé avec donc le bout des doigts pendant 5 bonnes minutes. Par contre, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est qu'après le massage, je laisserai poser le gommage encore une dizaine de minutes. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien. C'est parce que bon, là, j'avais pas trop le temps, donc j'ai rincé tout de suite. Mais je pense que ça peut le faire. Sinon, le cuir chevelu est aéré, je trouve. Les racines sont décollées quand même, donc on retrouve quand même un bon volume. Ils sont quand même légers, souples, doux. J'aime vraiment beaucoup. C'est même si ça atteint que le cuir chevelu, je trouve que c'est un excellent soin pour les cheveux. Je les trouve vraiment super doux. J'adhère. Donc, à recommander une fois par mois. Sinon, c'est beaucoup trop. Ça sert à rien d'en faire trop, vraiment une fois c'est vraiment nickel quoi. C'est comme quand vous faites un gommage à votre peau, ça sert à rien de le faire tous les jours parce que votre peau amasse pas autant d'impuretés que ça. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu. Donc première expérience avec le gommage, vraiment très satisfaisante, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour celles qui ont testé, qui ont d'autres recettes à nous proposer, bah, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire. Donc tout du moins aussi pour celles qui ont testé les pépins de fraises, que ce soit sur le corps ou sur le cuir chevelu, n'hésitez pas à venir en donner quelques nouvelles. Ou si vous avez testé d'autres recettes, d'autres exfoliants capillaires d'Aromazone, vraiment n'hésitez pas à interagir avec moi. Me dire ce que vous en pensez. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Salut les chevelus!